pour votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Alors, abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes. Vraiment, l'année 2018, j'espère que ça sera pour vous une année d'excellence. Aujourd'hui, sur Casarema, nous avons ce privilège de recevoir pour vous le maestro. Wow. Mala. Wow. Monsieur O'Neill. Alors, il a un concert le 3 mars 2018. Alors, comment ça se prépare déjà? Dans la prière pour l'instant, avec une invitation à tous et à toutes de nous rejoindre dans la prière, parce que c'est un concert pour la gloire de Dieu. Et quand Dieu est dans quelque chose, ça ne peut que réussir. Donc, si nous voulons que ça réussisse, en tout cas, pour l'instant, Dieu d'abord, nous le prions et nous espérons, nous osons espérer que tout se passera bien. Donc, pour l'instant, nous préparons ce concert par la prière. La communication, merci Seigneur, parce que Casarema est avec nous. Donc, les choses commencent déjà bien. Voilà. Mais ça, c'est super. Mais là, je vais vous laisser avec les musiciens. Ouais. Vous allez chanter et tout ça parce que c'est la fête. Ouais. Mais je ne peux pas vous laisser commencer comme ça sans avoir un petit a cappella de « Veux-tu de gloire ?» C'est comme ça. Hein. Je suis désolé. Oh, on dit le jargon africain ou bien le jargon humain dit ce que femme... Non, Yakuba. Le jargon humain veut dit que ce que femme veut, Dieu veut. Alors, veux-tu de gloire, juste avant de laisser le maestro avec son groupe d'accompagnement nous emporter. Veux-tu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Oh, oh. Fais-tu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais, 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 ouh. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, super. Eh bien, sans plus tarder, je vous laisse en compagnie du maestro O'Neill Mala. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Alléluia. Moi, c'est Mala et nous sommes sur Casarema. Ah, mais où aller? Quand ça fait boum là-bas, tu viens prendre une bouffée d'oxygène. À l'Occident, que ça fait boum aussi. À un moment donné, tu te poses la question de savoir. Mama, oh, me, oh.
face à la muraille. Où voulez-vous aller? N'allez pas sans ton ailleurs. Sinon la vie, tout c'est à Wanida, yo querer. Le bien est devenu mal. Le mal est devenu bien. Mais où aller? Les gens sont déboussolés. Les psys sont débordés. Non, mais où aller? Tout le monde cherche la vérité, mais personne ne veut l'accepter. Non, mais où aller? Juste à côté se trouve le chemin que personne ne veut emprunter. Non, mais où aller? Tu veux aller là, on dit n'y va pas. Là-bas, il y a Ebola. Attentat, la cata, et ça finit pas où, mais où aller? C'est à toi, ya, oh, Kamat la Kladi. Mais où aller? Non, mais où aller? Mais où aller? Non, mais où aller? Où aller? Où aller? Sans Jésus, oh, papa, oh, où aller? Où aller? Où aller, où aller, sans Jésus, oh, on m'allait, il de se poser, que le monde est en train de se poser la question de savoir où aller, quelque part aussi, l'esprit lui-même nous pose aussi la question. Ok, le monde est en train de se dire où aller. Où sont ces baptisés d'autrefois qui juraient sur tous les toits, qui criaient sur tous les toits que nous sommes jeunes, on a du zèle pour l'évangile, on veut servir Dieu. L'esprit lui-même se pose la question. Les gens ont peur pour leur vie. Qui va aller leur dire que Jésus n'est pas une des solutions, mais que Jésus est la solution? Qui pourra? Qui pourra? Qui? Où sont ces jeunes qui avait du zèle pour l'évangile et qui chantait? Nous on aime Jésus, on veut le servir. Mais où sont-ils ces jeunes missionnaires pleins d'avenir qui affirmaient? Nous on aime Jésus, on veut le servir. Le servir, servir. Ah, ils l'ont dit. Nous on aime Jésus, on veut le servir. Nostalgie, redites-moi ça. Nous on aime Jésus, on veut le servir. Dommage, 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 il fait noir sur la terre. Mais qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés, qui marchent dans l'obscurité? Réveillez-vous. Réveillez-vous, baptisez. Oh yo, oh yo, réveillez-vous. On était nombreux au départ, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand le Seigneur nous a appelés, nous avons accepté et nous nous sommes engagés.
nous a baptisés et on nous a formés pour que par nous d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés lumière du monde, mais hélas, la terre est sans lumière. Tout ce qui nous reste, c'est que des éclairs. Oh hélas, au secours où sont passés les missionnaires. Pourtant quand il nous a appelés, il nous a pas forcés. C'est nous qui nous sommes engagés. Et on nous a baptisés, puis on nous a enrôlés pour que par nous d'autres âmes soient sauvées. Alors il nous a appelés celles de la terre, mais hélas, la vie est de plus en plus fade, car le sel a perdu de sa saveur. Oh hélas, attention, on ne doit pas trahir l'Éternel. C'est nous qui nous sommes engagés, on a signé, alors il faudra assumer. Quand on se dit baptisé, confirmé, le jour c'est chaud là. Non, c'est pas le moment de se cacher. Il nous a pas forcé, c'est nous qui nous sommes empressés, on a signé, alors il faudra assumer. L'humanité aveuglée, faut le voir, ça fait pitié. Des lumières, ça doit briller. Alors lumière, il fait noir à Paris. Oh, qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés et qui marchent dans l'obscurité. Dieu veut du sel parmi nous, mes amis. La vie devient fade, il lui faut du sel. Oh, donner sa saveur recommandée pour rassurer ceux qui sont dégoûtés. Mais qui pourra Dieu cherche mais qui pourra. Dieu veut en ces temps difficiles, Dieu veut de nous, mais qui pourra éclairer ceux qui sont aveuglés? Qui pourra?
L'émotion me fait me tromper, oh, mais Kazare m'a pas droit, oh. Puisque là,
que l'eau, yeah. Elle vaut plus que l'eau. Oh, elle me restaure, me restaure, yeah. Me restaure. On a souvent compté sur notre propre sagesse, Seigneur. On a suivi nos voies, nos propres voies. Mais ces voies-là nous perdent. Parce que sans issue, pas encore, Seigneur. Yeah. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont disposés. Nos âmes même aussi sont disposées. Yeah, yeah. Ta parole vaut plus que l'heure. Ta parole me restaure, me restaure. Ta parole me restaure. Plus que là, plus que là, plus que là. Plus que là. Me restaure, me restaure, me restaure. Yeah. Ta parole me restaure. Oh, plus que là, plus que là. Waouh! Alors, vraiment, ça c'était rien que pour vous, chers internautes, vous qui aimez Casarema, qui suivez Casarema, voilà, c'était un avant-goût de ce qui nous attend le 3 mars 2018. Et pourquoi déjà avoir choisi le mois de mars? Je ne sais pas, on va se quitter, hein, mais bon, un dernier mot. Ben, le 3, troisième mois, 3, vous savez très bien que c'est symbole de Trinité, de la divinité de Dieu. Donc, nous avons choisi sans réfléchir déjà. Il fallait choisir une date et le Seigneur nous a octroyé cette date-là qui correspond justement à sa personnalité. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette date parce que il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quand il choisit, s'il a choisi cette date, ça veut dire que c'est cette date-là qui est prévue pour qu'il prenne une grande décision pour la vie de quelqu'un. Voilà. Tout à fait. Eh bien, on va tous se retrouver le 3 mars 2018 déjà, mais ça sera où précisément? À l'espace L'Embarcadère d'Aubervilliers. C'est là-bas que ça va se passer à partir de 18h. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des réservations à faire? Est-ce que le billet, c'est à acheter sur place? Ou c'est comment? Comment ça se passe? Oh, nous avons prévu toutes les options. Il y en a qui aiment déjà pour être aux premières loges, ouais, une loge, non, aux premières loges. Pour cela, nous avons prévu les ventes en ligne. Vous allez sur Ticketmaster, tout le monde connaît Ticketmaster ici. Voilà, vous allez sur Ticketmaster, vous tapez concert Divine Connexion et vous allez me voir l'affiche et puis vous aurez l'occasion de réserver votre place, acheter votre ticket en ligne sans faire le rang le jour J.
Sinon, pour plus d'informations, vous allez appeler au numéro qui sera affiché, qui est affiché au bas de votre écran. Et là, vous aurez beaucoup plus d'informations concernant ce grand concert du 3 mars 2018. Mais est-ce que déjà à Paris, c'est le premier concert que vous allez livrer ou bien il y en a déjà eu d'autres? Il y en a eu, mais c'est le premier concert qui permet à Onel Mala de remonter sur scène parce que nous avons choisi une vraie scène. Une vraie scène de concert, une salle laïque. Parce que j'ai la grâce d'être apprécié même par les athées, les animistes, les musulmans, avec tous les corps, même les bouddhistes, ils ont de l'estime pour moi. Et c'est vrai, je prends l'exemple du musulman, il m'aime bien, mais si je fais le concert dans une église, c'est pas possible qu'il parce que c'est un fidèle musulman. Donc, j'ai choisi cette salle pour permettre à toutes ces personnes de venir pour qu'on communie ensemble, qu'on chante pour la gloire de Dieu, l'unique qui a créé le musulman, le bouddhiste, l'athée, le chrétien, enfin, qui nous a créé. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin. Merci à l'équipe formidable que vous avez. Merci à l'équipe formidable aussi de Casarema. Et puis, merci à vous d'avoir pris de votre temps pour suivre. Comment on va appeler ça? Ce moment de détente, c'est... Ouais, le petit délire gospel sur Casarema. Il n'y a que sur Casarema que ces choses-là se passent. Je bénis Dieu pour Casarema. Vraiment, merci beaucoup. C'est ici que les choses se passent. www.casarema.fr. Et encore une fois de plus, de très bonnes fêtes. Et puis on se quitte en musique. Oh ouais. Ça fait du bien. J'aimerais particulièrement dire merci
tous ceux et celles qui prient chaque jour que Dieu bénisse cette télévision, cette chaîne de télé, Kazarema. Voyez, parce que vous avez prié, Dieu nous fait grâce de nous aussi avoir la parole et nous adresser à vous. Alors continuez de prier, parce que je suis sûr que Kazarema, c'est la réponse de Dieu à nos prières. Merci à Mesmine, Solo Mesmine. Oh oh oh, merci. Shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis là pour vous parler d'un grand projet que nous avons avec Kazarema. C'est d'avoir une chaîne de télévision sur satellite qui pourra couvrir toute la France et vraiment même le monde entier par la grâce du Seigneur. Pour cela, ça nous demande beaucoup, beaucoup d'argent. Vous nous suivez déjà sur Kazarema, via YouTube, via le site. Mais là, nous voulons passer à une vitesse supérieure, c'est d'avoir une chaîne de télévision, être vraiment dans vos maisons à la télévision, sans même que vous ayez besoin d'être sur Internet. Bien-aimés frères et sœurs, ça nous coûte beaucoup, des caméras, il faudrait payer un abonnement, il faudrait payer tout ce qu'il faut pour être sur satellite. C'est pourquoi nous venons vers vous, qui nous avez toujours, toujours soutenus pour avoir des nouveaux studios Kazarema. Mais là, nous voulons passer à une vitesse supérieure. Avoir une chaîne de télévision. Bien-aimés, vous qui êtes touchés, nous vous prions de nous appeler à ce numéro et de faire un virement à ce numéro de compte, à ce compte PayPal, et je vous assure que Dieu ne manquera pas de vous bénir car vous contribuez à l'évangélisation et au salut des âmes. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse Kazarema. Pour soutenir cette œuvre en devenant partenaire de Kazarema, faites votre don sur notre compte PayPal kazarema@live.fr ou contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Kazarema, c'est de la bonne terre. Kazarema est une bénédiction pour vous. J'aimerais vous encourager, à nous encourager à votre tour, en disant on aimerait devenir partenaire avec Kazarema. C'est le mandat de chaque croyant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et vous pouvez le faire par le biais de vos dons. Que ce soit 20 euros par mois, 50, 100 euros par mois ou même 1000 euros par mois, si vous pouvez le faire. Et de cette façon-là, vous allez vous unir à nous à proclamer l'Évangile dans le monde francophone. Moi, je suis partenaire mensuel de Kazarema. Et vous? Je suis partenaire de Kazarema. Faites comme moi. Devenez partenaire avec Kazarema. Je suis partenaire avec Kazarema. Jésus, tu es au-dessus de tout.